Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour la première édition du journal de Téléplus. La PNQ ce matin axée sur l'affaire Alvaro Sobreno, revenons sur la question du leader de l'opposition Xavier Luc Duval adressée au ministre de la Bonne Gouvernance, Soudir Sissonkar. Whether in regard to Mr. Alvaro Sobreno and his group of companies, he will A, for the benefit of the House, obtain from the Financial Services Commission information as to where matters stand regarding the suspension of the operating licenses thereof, indicating whether a board meeting thereof was held recently in relation thereto, and if so, indicate who were the members present thereat. And two, the vice chairperson and three other board members thereof have resigned therefrom, and B, state whether he will arrange for an inquiry to be carried out into instances where government has borne expenses for Mr. Alvaro Sobreno and for his group of companies and vice versa. The Financial Services Commission is a body corporate which is administered and managed by the board, by a board. Pursuant to Section 4.2 of the Financial Services Act, the board consists of a chairperson suitably qualified and experienced in the field of business, finance or law, appointed by the Prime Minister on such terms and conditions as the Prime Minister may determine, and a vice chairperson, and not more than five other members suitably qualified and experienced in the field of business, finance or law, appointed by the Minister of Financial Services, Good Governance and Institutional Reforms on such terms and conditions as he may determine. L'inspecteur Assad Rajab a déposé devant la commission d'enquête sur la drogue cet après-midi. Celui qui a fait tomber Gros Direct a été convoqué concernant un montant d'1,5 million de roupies déposé sur son compte en banque. Une réclamation de 522 000 roupies faite à l'ambassade de Maurice à Paris pour la location de Mercedes et de Bodyguard pour une mission privée de Planet Earth Institute à Rome en décembre 2016. Révélation de Xavier Luc Duval ce matin. There's an invoice sent à l'ambassade de Maurice, de la République de l'île Maurice, 127 rue de Tocqueville, Paris. It's going quiet now. You know how much, Madam Speaker? 13,060 euros. 522,000 rupees for car services. I will give it to you. You can have it, obviously. And it is deals with hire of cars, VIP cars, two Mercedes, one S and one van for bodyguard. And it was in Rome. And this was for a private mission for Planet Earth Institute. Xavier Luc Duval, qui était l'invité de Nawaz Nobux dans le grand journal de cet après-midi. Parmi les sujets abordés, le budget 2017-2018, l'affaire Betamax, les courses hippiques, entre autres. Mais généralement, il disait causes mentiles de l'emploi, les causes mentiles de la croissance. Derrière la Banque mondiale, ce chiffre croissance, c'est pour cette année-ci, c'est 3,4%, il y a eu 3,9%. NBJ, cause mentie. Hier, le rapport intérimaire, commission d'enquête, les courses hippiques, qui vous finit de démontrer à travers ça, PNQ, là, Xavier Duval? Vous connaissez, première affaire, vous entier, c'est pas un commissaire-là, c'est bien en colère, gouvernement mauricien. C'est bien en colère. Parce que, premièrement, une prétendent qu'ils n'ont pas donné un rapport et confidential interim report, je ne donne ça à personne. Jusqu'à je peux maintenir. Allô. Oui, gouvernement peut maintenir. Pas ban commissaire. Oui. Allô. Donc, ça se finit bien. Nous abordons maintenant le dossier Betamax. Donc, à la suite du jugement du tribunal d'arbitrage de Singapour, d'un premier commentaire public où dire aussi supplier ou même collègue dans le cabinet pour pas résilier le contrat. Mon été finit un démenti formel, ça en est au diagnostic lundi dans le Parlement, dire que ce n'est pas vrai du tout. Vous avez du mal, m'en vais être franc, Lola, oui. Moi aussi, je ne pas trop croire là-dedans, peut-être au cas convaincre le contraire. D'accord, mais
moi bien s'agresser pour moi pas de mentir. Non, moi pas de mentir, mais moi pas. Mais pas fait rien. Moi dis franchement, où tu bien lis un peu journal aussi. Parce que si tu lis un journal à l'époque là, où tu peux trouver au moins des articles de presse qui disent qu'il y a une aile du gouvernement menée par Xavier Duval qui pas d'accord. Okay. Si tu me dis moi ça pour que question, moi tu peux amener le journal là devant vous. Donc moi j'espère vous lire et voir ce qu'ils ont après. Donc c'est un fait ça. Mais seulement ce qu'ils ne pas comprend. C'est que quand ou dans le gouvernement ou cause dans le conseil des ministres. Quand ou dans le parlement ou quand l'opposition ou cause partout ailleurs. Opération En la case En sourire, lancée par l'équipe Explicuka, vous l'avez entendu sur Radio Plus ce matin. Nous vous invitons à venir en aide au couple Pansouramen. Mon premier affaire, c'est que j'ai gagné un peu de matériaux. Si nous gagnons des matériaux, nous avons la case là ici. C'est ça qui nous a fait. C'est nous plus grand chose qui nous a souhaité. Là, nous retournons à porte à côté nous. Parce qu'ici, il y a l'autre famille, nous plus habitués ici. Beaucoup de souvenirs. Mon photo, mon voyage et tout, mon souvenir. Et puis, moi, je suis bordé. Moi, tu peux faire quelque chose bordé. Tout détruire. L'actualité internationale, incendie d'une tour d'habitation à Londres, bilan 6 morts. Voilà pour le journal de Télé Plus. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur le www.defimedia.info.